Dès notre arrivée à Rovaniemi, nous rejoignons notre premier logement, cet immense chalet en bois situé en plein milieu de la nature et à une heure de Lévis. On va en profiter pour faire de la randonnée et peut-être chasser les aurores boréales. Laissez-moi vous raconter ça. Alors, cette petite Toyota Yaris... Ouais, elle glisse bien. Elle glisse bien. Dégaine. Et là, on est parti pour aller faire une petite rando dans le parc naturel du Bayas, Yastun Turi. J'espère que je le prononce bien. Vu que notre logement, il est quasiment à côté, voire au milieu, faut que je regarde. Donc, petite rando. On est bien équipé, mais il fait pas très très froid. On avait moins 1 ou moins 2 ce matin. Ouais, ressenti moins 7. Ressenti moins 7, ouais. Et on commence la petite rando. C'est tout plein. Bon, normalement, c'est avec les raquettes. Mais bon, c'est assez tassé, donc on n'a pas pris les raquettes, c'est juste 2 km pour monter jusqu'à la hutte. C'est une rando facile, mais en étant tout en mitouflé là, et c'est un peu plus compliqué. En plus, le sol, sans les raquettes, ça glisse un peu. Et par contre, c'est vraiment trop beau. Bah, y a rien à dire, quoi. Tu veux de la neige, tu veux des sapins enneigés, tu veux un beau paysage, on y est. Et voilà, on est arrivé en haut et là on va profiter de ces petites cabanes, je sais plus c'est quoi le nom, je vous mettrai ça en commentaire, mais on en trouve un petit peu de partout sur les endroits de rando, etc. Et en fait c'est pour, il y a du vent vraiment, c'est pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Ça fait partie de ces fameux droits à la nature. Bah, on peut profiter pleinement de la nature tant qu'on la respecte, et il y a plein de petites cabanes comme ça, on peut faire son feu. Après il y a même des refuges où on peut dormir, et là on va en profiter, on est tout seul, on va se faire griller quelques saucisses, faire un petit feu, se réchauffer un peu bien qu'il fasse pas très froid. Pour le coucher du soleil, je suis pas sûre, c'est pas mal bouché, et après on redescendra et on retournera au logement tranquille en croisant les doigts pour que le ciel se découvre, qu'on puisse peut-être voir des aurores boréales, et on va profiter du paysage qui est absolument fabuleux. Thank you.
sur la route, on a le droit à une très belle surprise. Mais c'est le lendemain, en rentrant du ski, qu'on a le droit au plus beau des spectacles. Cette danse féerique et ce ciel magique, celui qu'on attendait. Au coucher du soleil dans le parc du Bayas. Là, avec le vent, peut-être que vous l'entendez, avec le vent et les températures positives, parce que franchement, on a des températures fait du moins 1, moins 2, et ben tout la neige est partie. Et bien sûr, c'est une balade en raquette. Et par moments, on a tendance à s'enfoncer, mais presque mi-jambe, voire même hauteur de hanche parfois. Donc, faut bien rester dans les traces déjà marquées. Malgré un vent d'enfer, on a le droit à un coucher de soleil absolument fabuleux. D'abord orangé, le ciel est devenu complètement pastel avec des couleurs incroyables. On n'a pas beaucoup filmé sur place à cause du vent, mais je vous invite à aller faire un tour sur le blog parce qu'on a fait pas mal de photos, ainsi que sur Instagram pour voir les stories. C'était une soirée vraiment incroyable. Et pour finir en beauté, le soir même, au même endroit, on a eu le droit à une aurore boréale.